Salut les You, bienvenue dans Assassin's Creed. Nous allons continuer l'émission. Bien sûr, l'émission de club pour augmenter nos revenus. Voici le quartier du temple. Logiquement, il ne devrait plus être si difficile que ça, vu le niveau qu'on a pour le moment, qui est un peu supérieur. Et on reviendra après aux missions, à la mission principale, bien sûr. Oh, oh là là. Ils sont pas là. Voilà qui est fait. Dis surtout pas merci. Qu'est-ce qu'on prend du cœur, merci. Ah. Je prierai pour vous. Prie. Pendant ça, là, je leur fais leur poche. Toujours m'en prendre. Ça évite de devoir acheter des munitions. Il est remède et tout est coté. Ah, vous voyez, le coffre il rapporte déjà 10 798. Voilà, en plein fond. Et les tirs au flanc. Donc, on va voir combien ça va nous rapporter après avoir fait cette mission. Si, qui est. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et vos commentaires. Bien sûr, les likes aussi sont les bienvenus. Bon, Bobasque au couvent. Allons-y. Donc, quartier, un couvent, défi du caverne. Bon, on y va, on va aller voir ces brutes. Leur dire un petit coucou. Hop là. C'est pas trop loin. Pourquoi il monte? Il monte toujours quand il aura. On se demande pourquoi. Oh, il n'est pas là le coffre. Non, il doit être au-dessus à l'étage. Ah oui, c'est celui-là qu'il faut ouvrir. On n'a pas le temps. On verra. Oups. On passe par les fenêtres. Ça va plus vite, c'est plus court. Passe par la fenêtre. Voilà. Voilà, il a le coffre. Ah, on y est. Couvent de filles du calvaire. Bon, il faut faire quoi? Tuer celui-là. Oh. Hop, voilà, bonjour. Il se fait un compris. Oh, je suis trop loin, t'as raison. Au revoir. Au revoir. Oui, oui, tu manques. Oui, 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 bonjour, mesdames. J'ai quelque chose pour vous. De quel côté es-tu, hein? Que dites-vous? Dans quel camp te battes-tu? Calmez-vous, Laurent. Ce sont un vol. Oh. Bonjour. Bonjour. On va attendre un petit peu. Et voilà. Mission accomplie. Ah bah voilà, c'est encore plus que je le pensais. Petite mission, hein. Bon, on va reprendre un peu. Voilà. Oh, un macaron. C'est le prochain. Wow, un macaron juste là. Hop là. Et une cocarde collectée. En passant, ce n'est pas mal. À Paris? Le prince à Paris, laissez-moi voir. J'ai peine à croire qu'il soit toujours en vie. On va aller voir ça. L'incrédulité des gens ne cessera jamais de m'étonner. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Les Templiers s'étaient emparés du prince comme monnaie d'échange. Mais il ne les intéresse plus. Ça ne présage rien de bon. Les assassins doivent apprendre ce qu'il sait avant que les Templiers ne le tuent. Il doit quitter Paris à bord d'un bateau. Je vais m'en occuper. Salut Arnaud. Bon. Il faut aller libérer le prince. Oui, oui. Oula. Bien sûr, comme c'est le prince, il y aura du monde. Ah oui, même de ce côté-ci. Oui, ok. Citoyens, un instant!
missionnaire. Lui, je peux te découper les boyaux. Ça te donnera de quoi t'occuper. Attaquez le champion. Laissez-moi vous procéder. Je suis là. Chaud. Je suis dans les égouts, ça pue. Ah là là, les égouts qui puent. Non. Il y a beaucoup de monde là. Il faudra. Hey, où est-ce que... Halt! Oui. Oh, mais que sais-tu? Vous l'avez tué! Non, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. Il a glissé. Oh là là, ce genre. Oula. Reviens, il va falloir ruser. Viens ici, toi. Maman, hey, le prince reste de là, citoyen. Il vous paiera. Mais déjà. Qui veut ta mort, tu crois? Mais pour... Allez. Je passe quelque chose. Mais qui l'a tué? Il y a bien eu un bruit. Mais pourquoi? Tu dois être roi. Pour un jour. Ensuite, c'est ton nom. Pitié, je n'ai rien fait de mal. Alors tu es bien le premier innocent de sang royal de toute l'histoire. Jamais tué de prince. Par pitié, ne me faites pas de mal. Je fais ce qu'on me dit, petit. Pour la révolution! Prince Louis Charles. Je présume. Enfin! C'est mon oncle qui vous envoie? Je sers un autre maître. Mais vous restez un serviteur. Eh bien, qu'attendez-vous? Sauvez-moi donc. À vos ordres. Ah merde. Je n'irai nulle part tant que ces brutes seront en bas. Ok. J'arrive, parce que ça c'est... Apparemment, j'arrive pas trop bien à descendre des escaliers. On l'a jamais appris. Oh là là. Bon. Bordel.
sortir les boyaux. Tu ne t'en tireras pas. Non mais... Il a l'air bien attiré pour sa voix qu'il a. Allons-y, partons. C'est moi qui donne les ordres. Eh bien, il y a d'autres bandits en bas. De la merde de chien, c'est une tannerie. Ils utilisent des grottes de chien. Donc, c'est mon devoir de patriote. Attends un peu, ils sont déjà dehors. Ne retiens pas, allez. Faut que je trouve des remèdes. Voilà. Alors, le petit prince, il a dit... Et où il est parti? Oh la pauvre folle! C'est... Alors c'était caché. Bon, mais quoi? Avec ta Votre Majesté. Ce n'est pas trop tôt. Allons-y, votre bateau vous attend. Mais j'ai le mal de mer! Bien entendu. J'ai le mal de mer. Il a un peu de petit garçon là, alors qu'il paraît presque un adulte. Trop quiche. Mon Dieu, il doit être moins fort que là-haut. Voilà. Ça promet. Il y en a d'autres. Vous ne regardez jamais où vous allez. Attendez ici. Ouais, vas-y. Là-bas. Bon. Alors le prince, il n'y a rien. On nous attend sur la berge. J'espère qu'ils ont des sucreries. J'espère que vous en valez la peine. Voilà. La voix, elle va pas du tout avec le personnage.
Je suis rusé comme un renard. Pire que la tortue de la femme. Il s'éloigne, plus vite. Moi, je préférerais mourir. Me prendre à courir. Lâche. Gardez plutôt votre énergie pour vos ennemis. Que se passe-t-il cette fois? Voilà. Merci, Arnaud. Mais il y a eu une légère confusion. Il ne s'agit pas du prince. C'est une plaisanterie. Attendez, j'étais le page du prince. J'ai grandi avec lui. Ce que tu sais nous sera quand même utile. Tu n'as plus rien à craindre. Je vois que tout finit bien. Je souhaite te reposer en paix. Oui, oui. Le page. Ah, quel page, alors. Bon. Nous allons terminer la mission. Radez-vous. Ça me rappelle quelque chose. Ah, ça va maintenant, sans cesse. Ah, on en a bien d'au-dessus, hein. Là, au-dessus. Et on monte. Regarde ça. Jean-Baptiste Rotondo s'est évadé de prison. As-tu déjà entendu ce nom? Il en sait long au sujet des assassins. Il va sans doute tenter de rejoindre les Templiers pour leur faire part de ce qu'il sait. Assassine-le avant que la garde nationale ne le retrouve. Il est juste sous nos pieds, en train de s'enfuir par les égouts. Voilà. Alors, puisque c'est comme ça, on descend. Tiens-toi prêt, ce misérable va sûrement revenir par ici. Mon Dieu. Mais par où est-on entré? Par la porte. Fait.
pas mal. Je vais arranger ça. Voilà. Ça va mieux? Ah. Si tu cries plus, c'est que t'as plus mal. Bon, on continue la mission Radégout. Ah, le roi de l'évasion. Il y a des années, lorsque j'ai fui la Bastille, j'ai laissé derrière moi une échelle façonnée avec du bois et de la ficelle. Elle est désormais célèbre, mais des gardes protègent la Bastille pour prévenir tout pillage. Citoyen, peux-tu aller me la chercher? Elle doit se trouver quelque part dans ce vaste édifice. L'intendant détient probablement son emplacement précis. Localiser l'intendant. Oui, bien sûr. On va aller voir ça plus près, tant qu'à faire. Il suffit de rentrer par la porte. Toc toc toc, c'est à moi. Bah, il est là. Bon, il va falloir rentrer dans le château. Il fait beau, je suis loin. Il peut pas monter par là. S'il veut pas monter par là, on va descendre un cran. On va essayer de l'autre côté. Par là, il ne veut pas. Oh, le vilain. Et par ici, est-ce qu'on s'est passé? Il veut pas non plus. Ok.
Ça va, c'est pas trop. Ah, une porte. Tu n'as rien vu. Oh, dépecé. Oulala. Ah, ah oui, je devrais mettre. J'avais oublié que j'étais passé au magasin juste avant. Bon. J'ai pourtant bien entendu. Tu as bien entendu. T'as mouru. Voilà son échelle. Eh oui, je suis un brigand. Non, je suis un assassin. Oh, pauvre. Bon, continuons, je dois aller parler. Non, je tiens, je trouve. Oh. Ok, on descend. Et oui, il n'avait pas encore inventé l'ascenseur. Quoique, logiquement. Oh, il va mourir. Oh, le pauvre. Oh, merci, mon ami. C'est un souvenir très cher à mon cœur. Voilà la mémoire accomplie. Jean-Henri Latude.